Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me rappelle Dave Kemoto. Alors, qu'est-ce que ça te dit, Dave Kemoto? Ça me rappelle. Patron, mettez-vous à ma place. Oh, vous créez des colorés en face de moi. Vous créez des colorés en face de moi. Est-ce que c'est moi tout à l'heure, ouais, accoucher des traits de bêtises là? Ça m'a vraiment. Oh, vraiment. Beerers, n'est-ce pas? Ah ouais. Oh, l'homme vient de là-bas. Et puis, Arnold, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça te dit? Les OG, comment elles appellent, n'est-ce pas? Les rêves de l'époque qui vont faire la bonne comédie. Oh, mais on manque des gars comme ça. Parce que moi, quand on parle de comédie aujourd'hui au Cameroun, il y en a, bon, je vais parler les envois, tu vois, la jeune génération qui s'amuse, qui rit. Mais quand on parle, ça c'était un comédien. Quand on parle de comédie, c'était un professeur d'université d'ingénieur. Oui, tu vois, il faisait la comédie satirique. Oui. Donc il avait déjà vu les mots et il parlait, il dénonçait. Voilà. Il dénonçait les. C'était bien fait. Voilà. Très bien fait. Il dénonçait, n'est-ce pas, les mots de la société qu'il voyait. Et de nos jours encore, qu'on voit. Quand il parlait, par exemple, de ces messieurs qui vont avec les enfants, les filles de 14-16 ans. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça quoi? Mais ça, c'est des enfants, ça, c'est des hommes. C'est de la pédophilie. La pédophilie. Eh oui. Donc, voilà quelqu'un qui dénonçait la pédophilie. Il y a plus de 25 ans. Hein. Voilà. Plus de 30 ans. Voilà. Alors, je voudrais profiter comme ça pour dire que Dave Kemoto, il a refait surface. Hein. Je vous invite à voir. N'est-ce pas, dis-moi, comme un genre ne fait pas le bonheur. Je vous invite, n'est-ce pas, à voir ce. Vous n'avez plus que regarder. C'est une page. Il a l'émission qu'il a fait. Il a créé une chaîne de télé pour lui. Maintenant, je suis un homme bien. Je suis un homme bien. Et je vais sur YouTube. Tu vas voir. Et il a encore la forme, la super forme. Oh, mais attends. La super forme, il en a encore, je te dis. Et bon, le projet, c'est le faire venir ici, dans le UK, à Londres, d'ici peu, n'est-ce pas, pour une courte tournée, pour nous satisfaire. Ouais. Parce que ça, c'est quelqu'un qui nous a bercé l'enfance. Ouais. Ah ouais, nous, on écoutait ça, n'est-ce pas, sur la cassette, la radio cassette. Oh là là, ça plaisir à oh ben voilà. Donc Dave Kemoto, qui est mon idole, c'est une icône, n'est-ce pas, de la comédie au Cameroun. Et puis c'est un grand frère que j'adore. Mais, voilà, ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est juste une révélation. N'est-ce pas, le réveiller dans vos mémoires. Oui. Mais oncle, oui. Oh le maire de Basile de Rennes. Oui, ça fait plaisir de le revoir. Ouais. Dave Kemoto. Écoutez. Écoutez. Ah, c'est bien. Il faut que le Thank you very much. Thank you very much. Mathieu, c'est bon.